وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ici, il y a un point important à citer, car ici, ils l'ont traduit en français, ils se servent d'une ruse et moi aussi, je me sers de mon plan. Comme vous avez vu, ils n'ont pas dit la ruse, car il ne convient pas de dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala ruse, comme ça, seul. On peut dire, comme Allah ta'ala a dit dans le Coran, ils ont rusé, Allah a rusé contre eux. Dans ce sens, oui. C'est-à-dire qu'Allah leur a répondu comme ils ont fait, comme ils méritent. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, on ne dit pas, par exemple, parmi ses noms et ses attributs, on ne dit pas le ruseur. C'est un manquement vers Allah de dire ça. On ne dit pas cela. Ce n'est pas un attribut qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui prouve cela. La seule chose, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il a agi avec eux comme ils ont agi. Comme tu agis, on agit avec toi. Puisqu'ils se sont égarés, ils ont choisi l'égarement, ils ont choisi de combattre l'islam, ils ont rusé, Allah ta'ala aussi, il leur fait leur plan, comment ils vont se faire châtier et comment ils vont perdre. Wa qul rabbi zidni ilma.